objet nombre SCP-134. Enfant UE étoile. Classe sûr. Procédure de confinement spécial, SCP-134 est actuellement contenu dans une cellule spécialement conçue pour humanoïdes, mesurant 6,6 mètres sur 8,8. Tant que SCP-134 reste complètement aveugle, des mesures spéciales de sécurité doivent être respectées avec le mobilier de la pièce. SCP-134 est raisonnablement habitué à la position des objets dans sa cellule et arrive à se déplacer surtout de mémoire. La cellule de SCP-134 contient actuellement un lit, une place avec sa literie. Un asset de lit rose incluant drap et oreiller imprimé du motif de la mascotte Hello Kitty. Note, même en étant complètement aveugle, SCP-134 est capable de sentir les motifs imprimés et les apprécie. Une garde-robe et une commode contenant des affaires pour enfants très jeunes. Ce mobilier doit porter une inscription en braille et en anglais. Une maison de poupées, poupées et intérieurs compris. 8,8 animaux en peluche, 3 chats, 2 chiens, une girafe, un dauphin et un panda. Une sélection de livres pour enfants en braille. Une chaise et une table. Une station créative avec pâte à modeler et briques de construction en plastique. SCP-134 peut demander d'autres objets, chacun d'entre eux doit être approuvé par un membre du personnel de niveau 3 ou plus. Si un nouvel objet est ajouté dans la pièce, le responsable de SCP-134 doit en être informé à l'avance pour préparer l'introduction de quelque chose de nouveau dans son environnement. SCP-134 suit le cursus scolaire normal d'un enfant de son âge en braille. Description : SCP-134 est une jeune fille d'origine asiatique entre et en, avec des cheveux courts noirs et un corps assez frêle. Le sujet semble, du point de vue des besoins d'un être humain, tout à fait normal, besoin en nourriture, sommeil, etc. Cependant, là où devraient se trouver les yeux de SCP-134 se trouvent deux fosses noires recouvertes par une membrane transparente similaire à une cornée humaine. Les tests ophtalmologiques ont montré que cette membrane était 150 à 200 fois plus résistante que la cornée humaine. SCP-134 n'a pas de paupières et, par conséquent, ne cligne pas des yeux et n'en rose pas le besoin. SCP-134 est complètement aveugle et ne peut rien voir par ses zones noires. Les tentatives pour examiner l'arrière des yeux de SCP-134 ont toutes échoué, tout comme la recherche d'une rétine chez le sujet. Dans des conditions lumineuses normales, les yeux de SCP-134 semblent complètement noirs, mais dans l'obscurité, de faibles lumières ont pu être observées. Des examens sur des photographies à exposition prolongée et une amplification lumineuse de la photo révéla que ces lumières étaient en réalité des étoiles et des galaxies, visibles à travers les yeux de SCP-134 et donnent sur une vaste portion d'espace. À ce jour, aucune formation astrologique connue n'a été découverte, des recherches plus poussées ont été confiées au DEA. Les examens par sonar n'ont révélé aucune cavité suspecte dans le crâne de SCP-134. Cependant, données supprimées ont confirmé la présence de données supprimées, les orbites étant le terminus local et l'espace profond le terminus éloigné. Les mesures parallèles indiquent que le terminus éloigné sont entre 20-20 et 2000-2000 mètres de distance et bougent à une vitesse variant de 20-20 à 40-40 fois la vitesse de la lumière. Cela ne semble pas avoir de lien avec la position, les mouvements ou le métabolisme de SCP-134. Les analyses spectrographiques indiquent que périodiquement le terminal éloigné donnait supprimer une nouvelle position, la raison de cela n'est pas encore connue. Le temps le plus court enregistré entre chaque changement est de 6 jours, alors que le plus long était de 5 semaines. Jusqu'à maintenant, aucun changement de terminal n'a été vu ou enregistré. SCP-134 n'a montré aucun signe de comportement hostile et ne semble pas consciente de sa condition surnaturelle. SCP-134 montre des changements du comportement similaires à ceux d'un enfant atteint d'autisme grave, la rendant hermétique à tout changement. Un spécialiste a été assigné à SCP-134 pour veiller à son bon développement. Pour l'aider à cela, le spécialiste a suggéré de donner à SCP-134 un surnom personnel. Elle fut donc renommée Stella. SCP-134 a appris à associer son appellation par son numéro au test physique mené sur elle. Il a été remarqué qu'elle était moins coopérative si ces tests étaient effectués par des personnes l'ayant nommée Stella auparavant. Par conséquent, le personnel est prié de ne pas se référer à SCP-134 par son surnom à moins qu'il souhaite que ses interactions restent dans le cadre d'interviews.
Le spécialiste assigné à SCP-134 a depuis été renvoyé pour avoir porté trop d'intérêt au SCP-S qui lui était assigné. Tout personnel trouvé en train de se référer à SCP-134 par le surnom Stella sera sévèrement réprimandé. Quand on la questionne à propos de ses yeux, SCP-134 déclare ne rien savoir à propos de la déformation de ses yeux. SCP-134 n'a à ce jour demandé aucune information à propos de ses parents ou de son identité. Quand elle fut récupérée par la Fondation, SCP-134 était appelée. SCP-134 s'est montrée docile et coopérative. À ce compte, le personnel est tenu d'être courtois avec le sujet. SCP-134 a été récupéré par la Fondation suite à un rapport mentionnant un enfant déformé laissé à l'orphelinat de Yokohama au Japon. SCP-134 est sous la garde de la Fondation depuis 20 ans. L'orphelinat déclara que SCP-134 était âgé de 20 ans. Depuis, SCP-134 a appris l'anglais courant en plus du japonais, langue qu'elle connaissait déjà. SCP-134 a également montré une facilité avec le braille, néanmoins son apprentissage Thank you.